tous ceux qui utilisent Facebook ou qui auraient envie de l'utiliser. Facebook, c'est un piège, c'est le piège. Non, ce système n'a pas été créé gracieusement, pour votre plaisir, il faudrait être infiniment naïf pour croire cela. Petit rappel, c'est toujours bon à savoir. Derrière Facebook, il y a un immense business dont votre vie est la matière première. Ceci est un message de vigilance par rapport à Facebook, mieux vaut le savoir. Facebook est le plus grand réseau social en ligne dans le monde avec plus de 300 millions d'utilisateurs enregistrés. Seulement, vous tous, en tant que Français, utilisez ce site de réseau social en raisonnant à la française. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez Facebook, vous respectez les règles et les lois françaises. Or, vous faites tous une grossière erreur. Facebook est une société californienne régie à l'échelle mondiale selon le principe de loi en vigueur en Californie, loi encore différente des lois américaines, cela signifie que tout ce que vous y mettez est légalement archivé dans une base de données énorme, photos, discussions, textes, et ce, même si vous avez effacé certaines choses. En procédant ainsi, Facebook est dans la parfaite légalité. Tous les utilisateurs de Facebook ont d'ailleurs donné leur autorisation pour que leurs données personnelles soient enregistrées, conservées et utilisées à d'autres fins. Et oui, étonnant. Pas tant que cela. Avant d'utiliser Facebook, vous avez dû cliquer sur « J'accepte les conditions ». Si vous aviez pris la peine de lire ces conditions, souvent rédigées en anglais, vous seriez parfaitement au courant. Par ailleurs, Facebook n'est pas un site payant, pourtant des brevets sont régulièrement déposés par le siège de Facebook, notamment quand le site subit une évolution. Tous ces brevets coûtent énormément d'argent. Sans compter toutes les personnes qui travaillent sur ce site, et qu'il faut rémunérer. Comment pensez-vous que Facebook puisse débourser autant d'argent? Alors que le site n'est pas payant. Le principe est simple. À l'heure actuelle, 60% des entreprises achètent les droits de consultation des archives de Facebook. En effet, avant de se prononcer sur une embauche par exemple, l'entreprise a accès aux anciennes données que les utilisateurs ont postées sur Facebook. Ainsi, ils peuvent mieux apprécier si la vie personnelle d'une personne est adaptée au poste auquel elle prétend. Les services de défense et de police utilisent également ces archives pour l'avancement d'enquêtes. Soyez vigilants. Vos erreurs de jeunesse ne doivent pas devenir indélébiles. Évitez toute photo compromettante, avec alcool, cigarettes, drogue, photos tendancieuses, voire intimes, photos vulgaires. Évitez les insultes, même contre une personne que vous estimez banale, car l'injure est un délit qui peut faire l'objet d'une plainte, avec preuve à l'appui. Évitez d'échanger des données trop intimes ou privées, et ce, même avec vos amis. Nos amis d'aujourd'hui peuvent être nos ennemis de demain. Et surtout, ne négligez pas le droit à l'image. Beaucoup d'adolescents mettent sur Facebook les photos de leurs amis en partant du principe que cela ne posera aucun problème. Effectivement, cela ne dérange peut-être pas les amis en question, mais, s'ils sont mineurs et que les parents n'approuvent pas, une plainte peut être déposée. Demandez toujours l'autorisation de la personne concernée avant de faire paraître son image sur Internet. Méfiez-vous, la loi ne se retourne pas que contre les autres. Nul n'est censé ignorer la loi, vous ne pourrez pas dire à un juge « je ne le savais pas ». Faites ce que vous voulez de ces informations. Au moins, vous serez prévenu. Par ailleurs, il serait intéressant de se demander pourquoi une telle exhibition de sa vie privée. Faites circuler ce message courrier et le diffusez-le. Cela ne vous demande que quelques minutes pour le faire, et vous préserverez ainsi votre tranquillité et celle de tous vos contacts. Merci.